Salut les amis du potager, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Voilà, pour être sûr de ne rien oublier. Et si on essaie de jardiner aussi propre et aussi biologique que possible. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous parlais que j'étais en train de faire une butte tout simplement avec la terre de mes taupinières. Voilà, les taupes me font des ravages ici, elles aiment beaucoup travailler. Alors plutôt que d'essayer de les exterminer ces pauvres bêtes, eh ben, j'en profite pour constituer des buttes. En voilà une qui est en cours de réalisation. Des buttes qui sont très fertiles puisque voilà, hein, j'aime bien faire du compostage direct, donc je fais ici des buttes plutôt en lasagne, hein. Il y a en fait une couche de terre, une couche de reste d'épluchure de légumes souvent ou de tonte de gazon, une couche de terre, et puis une couche de à nouveau d'épluchure ou de tonte de gazon, et puis à nouveau une couche de terre, etc. etc. quoi. Donc ça finit par faire des buttes extrêmement fertiles. Alors, vous pouvez voir, il y a une petite tache noire un peu. Ici, il y a des taches noires sur mes buttes, c'est tout simplement du marc de café, hein, que je jette aussi sur mes buttes. Voilà. Et tout ça va finir par me faire une butte super fertile sur laquelle on pourra planter la saison venue. Là, pour l'instant, c'est un petit peu juste, hein, on est au mois de novembre, il fait plutôt froid. Voilà, nous sommes le 12 novembre au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée, hein, si vous ne savez pas quoi faire de vos vieux légumes, de vos épluchures de légumes, si vous avez des taupinières, des choses comme ça. Voilà une idée, hein, de ce qui est réalisable, tout simplement, facilement. Ça coûte pas cher, c'est super fertile, et nul doute qu'au printemps, eh ben, ça permettra de pouvoir faire pousser tout un tas de légumes sympas dans des bonnes conditions, parce que voilà, le sol sera super fertile et avoir donc des légumes qui poussent rapidement, vigoureux et en bonne santé. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer un peu l'évolution, hein, de ce qui se passe. Alors, évidemment, pas grand-chose en ce moment parce que ben voilà, on n'est pas à la super saison pour faire des choses. Bien que j'ai quelques idées en tête, je vais sans doute vous montrer tout ça dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis voilà, encore une fois, abonnez-vous. À bientôt.